Les préparatifs du scrutin présidentiel prévu dans 18 mois en Côte d'Ivoire ont déjà débuté au sein des différents partis politiques. Dimanche 28 avril 2024, la jeunesse de l'Union des jeunes du Rassemblement Oufouettiste pour la démocratie et la paix, UJRHDP, a organisé un meeting de remobilisation des jeunes Ivoiriens vivant dans la capitale économique d'Abidjan, dans la commune de Yopougon. Cette campagne de remobilisation qui s'étend sur 31 régions du pays vise l'enrôlement de 1 million de jeunes sur le fichier électoral. Et nous réjouissons qu'après l'élection des présidents des jeunes, après différentes activités de séminaire, les jeunes soient passés maintenant à l'occupation du terrain. La direction du parti sera à leur côté pour l'atteinte des différents outils qui sont assignés. Ils l'ont dit eux-mêmes, à l'occasion de la prochaine révision de la liste électorale, ils comptent mobiliser 1 million de nouveaux jeunes sur la liste électorale. Et donc cela ne peut que rentrer en cohérence avec donc, les outils que la direction s'assigne. À travers cette tournée de mobilisation, l'UJRHDP veut constituer des groupes de jeunes en bouclier pour la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle 2025 dès le premier tour. Ce grand meeting répond évidemment à cette stratégie de mobilisation. Il s'agit là pour nous de parcourir tout le pays. Et aujourd'hui, sur la place CP1, il était question pour nous de donner le top départ. Et après cela, chaque week-end, nous serons à travers le pays, que ce soit les 13 communes d'Abidjan et les 31 régions. Et nous allons parcourir tout le pays et faire l'apothéose le 26 octobre de cette année 2024. Avec le fait quand même de mobiliser tous les jeunes de notre parti au stade Félix Houphouët-Boigny pour garantir la victoire à notre candidat aux élections 2025, dès le premier tour. Dans la course aux préparatifs à la présidentielle, on retrouve les principaux partis de l'opposition, RHDP, à savoir le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI RDA de l'ancien président Henri Konan Bédié, se mobilisent également.